Trouver les Galgal anciens, c'est les Wimbor. Par là. S'il existe un endroit du Mordor hors de portée de ce rôle, c'est ici. Ces Galgal nous rappellent que le Seigneur des Ténèbres ne peut être partout. L1 pour entrer dans la zone de ténèbres. Là. Il y a bien longtemps, mon armée marcha sur le Mordor. Dans son arme mort, on ne peut pas se gagner. Nous pouvons guérir et vous trouver ici, protégés par une puissante magie. Nous avons tout mis en œuvre pour que les vertus des elfes nous suivent dans nos périples. Et qu'est-ce que c'est, celui unique? Oui. C'est lui qui m'offrit l'armée. Ainsi, je me mets à l'attaque en passant. Aptitude déverrouillée, rage elfique. Gagner du courroux en tuant les ennemis. Quand le courroux est plein, appuyez sur L3 et R3 pour déclencher la rage elfique. Au cours de la rage elfique, appuyez plusieurs reprises sur carré pour tuer rapidement les orques soldats. Usez un capitaine ennemi avec L et maintenez carré pour lui infliger un maximum de dommages. Vous avez une puissance et des tirs d'elfes illimités pendant toute la rage elfique. C'est bien ça. Allez. Ça bourre, tranquillement. Déchaîner le pouvoir de l'anneau. Il nous fait l'homme multiple, là. Celui-ci, le nouvel anneau, n'est pas marqué sur son ombre. Il est parfait. Voilà. Les ombres du passé. Revivez l'histoire de la première guerre du Mordor entre Celebrimbor, pardon, et le Seigneur des Ténèbres en effectuant les missions des ombres du passé. Une fois toutes les missions accomplies, vous obtiendrez la rune du Seigneur de Lumière. En les terminant à la perfection, vous gagnerez le marteau de Seigneur de Lumière. Le noyau est perdu pour l'instant, mais nous pouvons récupérer le Palantir.
Allons dans la grande salle. Ivril s'y trouve. Elle pourra peut-être nous aider. Mais je croyais que Sauron pouvait pas reprendre sa forme physique s'il avait pas l'anneau. Ruth, commencez. Il y a quoi? Porte des Tindin. Cette porte est fermée par une inscription de Tindin. Trouvez les fragments du Tindin manquant éparpillés dans toute la région. Apportez-les ici pour constituer le poème ancien et récupérer les reliques qui se trouvent à l'intérieur. Ah ouais, il faut trouver les mots, quoi. T'es pas beau, toi, hein, tu sais. Allez, viens, pas beau. J'ai justement besoin d'un cheval. Ouais, t'es pas vraiment un cheval. Voilà. Alors, combat à dos de bête, les Karagors. Combat. Appuyez sur carré pour attaquer et gagner de la puissance. Appuyez sur... C'est R2. Pour dévorer un ennemi à terre. Recharge la santé de votre aventure. Quand votre puissance est pleine. Pour exécuter un ennemi. Pour brûler et appeler ses carrés, ouais. Les Karagors peuvent grimper et même se déplacer furtivement. Ouais, ça c'est bien ça. Je vais voir un peu. Pas faire de bruit. Allez. Oh, attends. On peut déverrouiller une aptitude. Alors, exécution prédateur. Et ça c'est quoi? Brutalisation. Ouais. Distance. Ouais. Et ça fait tout péter. Spectre. Ouais. Chevaucheur de Grove. Histoire. Drainage. La vie des orques. Ouais. Domination. On fait voir domination, est-ce qu'on peut regarder? Ouais. Lance spectrale. Attaque circulaire. Rage elfique. Ça c'est quoi? Impulsion de l'ombre, ça m'intéresse pas. C'est une... Ça pourrait être intéressant. Voilà. Voilà. Allez. Ici. La pierre de vision. Mina City est assiégée. Trouvez le palantir avant que la cité ne soit perdue. Ça c'est quoi? Porte de Tildin. Rut. Ah, c'est parce que je suis en dessous, c'est pour ça. Hop. La grande salle renferme les plus grands trésors de Minasitil. Seul le palantir compte. Ah, mais il est mort. Je crois que j'ai tapé un mec. Ah ouais, j'ai tapé un mec. Oh, c'est stylé. Voilà. Non, pas question.
Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur? Allez, viens me battre. Oh, j'en ai appelé un autre. Voilà. Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là. Bah t'es très très moche. Hein. Nouveaux ennemis, les chasseurs. Les chasseurs gardent leur distance et attaquent en jetant des lances, mais ils sont faibles au combat rapproché. Bon, ça suffit, machin, là. Non, 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 attaque pas le Caragor. Ah, putain, on est plein, ok. Non. Mais c'est putain de pot de fleurs. Qui c'est qui m'a mis ça, là? Ah. Quoi, t'es pas content? Pas content? Pas content? Voilà. Il suffisait de demander. Voilà. Bon, désolé, vieux, hein. Bon. Il monte pas là-haut. Ah si, il monte, putain. Ah, c'est trop stylé. Nous devrions aller fouiller la grande salle et récupérer le ralentir. Bah non, là il veut pas. Ah si. Hop. Voilà. Ah, attends, je vais devoir déverrouiller l'aptitude. Alors... Tirer dans le pied d'un ennemi... Le gel sur place. Utilisation... Ça se fait... On met un peu en combat, non? Lorsque votre puissance est pleine, visez un ennemi pour exécuter... Contre-parfait. Coup critique. Équilibre ennemi. Déclencher un souffle. Je sais pas quoi prendre. Freinage. On va prendre ça. Ah non, c'est déjà pris. Le spectral, ça c'est fait. On va prendre ça, exécution. Et inventaire, on a des nouveaux trucs. Alors, ça. Hop. Et on a une nouvelle capuche. Moi, bon, c'est un peu mieux. On a une nouvelle arme. 32. 37. Voilà. Voilà, on commence.
Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux sur le monde. Nous devons tout sauver. Il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Un grand défenseur de Mina City-il. Nous ignorons votre nom. Talion ? Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'or. Non, les eaux cherchent le ralentir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il ? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les eaux démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres. Mais nous n'abdiquons pas. Et nous ne tomberons pas. Pas question. Défendez la porte. Ah, ils ont fait un gros trou dans la porte. Oula. Mais roule. Puissance. Ces attaques réussies rapportent de la puissance. Exécution, consommation, tir puissant et lumière électrique sont des attaques dévastatrices qui requièrent une puissance au maximum. Gagnez des points d'aptitude pour débloquer les compétences supplémentaires. Vous perdez de la puissance lorsque vous subissez des coups ou ratez des attaques. Vas-y! Ah. Attends, je récupère le. Mais. Mais laisse-moi récupérer le. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Oui, chouette, lui. Ça va être intéressant. Arrête de bouger. Merde. Bon, on va s'approcher. Hop. Wouh. Hop là. Quels explosifs? Voilà. Ouais, précise que c'est lui qui porte les explosifs.
ça. Je suis pas assez haut. Voilà. Voyons ce que je peux en faire. Les voilà. Ouais, ça c'est marrant ça. Voilà. Ensuite. Voilà, mettez-vous bien tous là au milieu. Tuez votre bête de siège. Ne perdons pas de temps. Ça devrait servir. Impulsion de l'ombre. Appuyez sur X en sautant pour faire un double saut, ce qui vous permet de courir une plus longue distance ou de changer de direction en cours de saut. Cette action peut être aussi utilisée à part sauter d'un rebord. Allez. Wouhou. Wouhou. Allez, 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 allez. Oh putain. Si la nacité tombe, alors il est temps de revoir avec la main sur le palantir. Je pensais au Gondor. J'y suis presque. Je sais quoi faire ici. De façon conventionnelle. Il nous faut le palantir. Voilà. Sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. Ils ne se contenteront pas de nous détruire.
Je cherche à effacer toute notre histoire. Au moins, il n'a pas la pire vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Sauvons tout ce qui peut l'être. Et partons. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi, servisant. C'est bien trop dangereux. Le palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait résister. Moi aussi. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père. Il m'a parlé. Elle vous fera tenir parole, Rodeur. Laissons-lui du temps. D'ici là, retournons voir Arachné. Il me faut d'autres réponses. Nouvelle la région déverrouillée. Appuyez sur L1 pour le menu quête. Un couteau dans la nuit. Objectif suivant. Voilà. Appuyez sur carré pour vous déplacer au chemin pour quitter le menu quête. Attendez. Est-ce qu'on peut. Voilà. Ah, c'est grand quand même. Tout ça. Voilà. Ouais, c'est très grand. Hein. C'est quoi ça? Waouh! Oui, un petit village, non, non. C'est quoi ça? Osgiliat. Ah, il y a ça aussi. On peut aller par là aussi. Rivière. Déplacement rapide. Bon, on va aller là. Hein. Derrière les lits ennemis, les armées de Ciri Tengol se rassemblent avant l'assaut final sur Minas Sithil. Arachné détient des informations pour vous permettre de repérer et d'éliminer les chefs de l'armée orc. Retournez la voir et détruisez l'armée de Sauron de l'intérieur. Les avant-postes. Neutralisez les avant-postes pour réduire la force de l'ennemi dans la région. Pour neutraliser un avant-poste, éliminez le capitaine qui le dirige. Les améliorations sont disponibles pour certaines de vos aptitudes. Une seule amélioration peut activer à la fois. Alors choisissez celle qui correspond le mieux à votre style de jeu. Détermination sinistre. Vous gagnez de la puissance à chaque fois que vous subissez des dégâts au combat. Agilité elfique. Course silencieuse. Détermination. Ça c'est pas déverrouillé. Je vais prendre la course silencieuse. Voilà. Viser les feux, bah ça on le sait. J'ai déjà vu trop de globes pour dire joli.
Ils sont attaqués. Nos ennemis, les Grogs. Les Grogs sont des bêtes redoutables qui peuvent être vaincus qu'au prix d'efforts soutenus. Quand un Grog rugit, tirez-lui dans la tête avec un tir chargé pour l'étourdir. On va récupérer ça. Hop. Alors, capitaine inconnu. Nourriture pour bêtes. Elle a un super casque en plus. Il faut que je récupère de la vie. Non, non, non. Voilà. Voilà. Allez. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ça m'avait pas manqué, ça. Les cochonneries. Et des bêtes. Ça porte malheur. Oubliez. Quand je retrouverai celui qui les a pris, c'est à lui. Hop. Et si tu tues pas,
Un couteau dans la nuit. Le Palantir est désormais hors de portée, mais les visions d'Arachné pourront peut-être vous guider. Oula. Oh putain, c'est Gollum! Vas-y, Gollum! Ah bah, il s'est fait ramasser. Nouveaux ennemis, les Hologai, trolls guerriers. Les Hologai sont des combattants coriaces aux attaques puissantes. Ils vous empêcheront de bondir par-dessus, mais vous pouvez éviter leurs attaques en appuyant sur X pour esquiver ou glisser entre leurs jambes. Ils peuvent être étourdis par un tir chargé à la tête ou grâce à une contre-attaque effectuée au bon moment. Enchaînez avec une série de frappes en mêlée ou maintenez R1 pour monter sur le dos de l'Holog. Sur son dos, appuyez sur X plus... Pas sur X, sur carré à plusieurs reprises pour le poignarder dans le dos et utilisez L pour le faire foncer dans ses alliés. Ça va être con. Voilà. Ah. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Wow. Ah, non. Voilà. Gollum, pourquoi m'avoir sauvé, dis-moi? C'est pas moi que je t'appelle. C'est une œuvre de cette bonne idée. La terrible majesté de la vraie histoire, Gollum. Pourquoi vous m'ouvrez sur le maître de lumière? Le maître de lumière, tout le ciel de tes ténèbres. Et c'est l'armée qui a existé. Sauron est son ennemi comme le nôtre. Et on ne choisit pas toujours ses alliés. C'est vrai qu'il était dans le précédent opus. Ce n'était pas un simple troll. Ce sont des Hologai. Des trolls de guerre. Ils sont plus fêtés, plus rapides et insensibles à la lumière. Les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais. Autant combler les méchants orques. Garde nos distances pour éviter d'être réduit à petit morceau. Comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre. Ça reste à voir. Bon dessus, Gollum. Allez. Ce qui bouge. Allô. Allez, Gollum, faut bouger. Ah, si, Gollum bouge. C'est bon.
Je sais ce qui vous amène. Rends-nous ce que tu as volé. Silence, créateur. Tu n'as rien à dire. Voler ? J'ai oublié de le prendre. Dis-toi, que veux-tu, Talion ? Je suis là pour la Sicile. Tu désires la sauver. Mais elle a peut-être déjà sombré. Tout n'est pas encore perdu. Tes visions disparaissent. Prends-moi une autre. Dans quel but ? Pour savoir ? Pour dominer ? Oh, inutile de me répondre. Vois ta vérité. Et demain, tu auras un absolu futur. Tu te fais remarquer. Tu imposes. Plus ta cible sera grosse, plus tu montras haut. Alors il faut agir en conséquence. Si nous tuons l'assassin, peut-être que ça n'arrivera pas. Elle peut survivre. Elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre soit changée. C'est Castamir qui nous protège. Si les victimes de cet assassin, nous perdrons le Palantir. On le trouvera ici pour le tourner. Oui, je vais trouver le méchant assassin. Il faut arrêter l'assassin. Gollum, tu sais où le trouver ? Oui, on a reconnu sa lame courbée. L'âme de Morgul. Oui, il tue. Poignarde tous les gardes du corps du chef de guerre. Si nous trouvons les gardes du corps, Uruk divise, nous trouverons l'assassin. Non, dégagez, toi. Fabrique ces orques. Tu as peur, comme le capitaine, avoue-le. J'ai pas peur. Alors vas-y, mets-toi sous le lit. D'accord, je vais te montrer que j'ai du grand. Là, tu vois, j'ai pas peur. Contrairement à notre courageux capitaine. Le premier garde du corps doit être par là. Je me mets accroupi parce que c'est le seul moyen de suivre Gollum correctement. Tu m'as dit que tu avais reconnu la lame courbe de l'assassin. Tu vois donc les visions d'Arachné ? Oui, maître de lumière. Franchement, Gollum, on dirait un vilain petit crapaud. Disparaissez ! Ta fin est proche ! Ce serait ta perte ! Voilà. Où est le corps ? Seule l'âme de Morgul a pu causer ses blessures. Nous sommes sur la bonne voie. Il est mort depuis un certain temps. Nous devons être plus rapides si nous voulons rattraper l'assassin. Oui ! Si on pouvait À mesure qu'il grimpe les échelons, l'assassin cherchera des cibles plus importantes.
comme Castamir. Oui, Castamir est le seul à savoir où se trouve le Palantir. Il faut à tout prix qu'il reste en vie. Salut, tu vas mourir. Hein? Non, c'est pas moi qui vise. Quelqu'un tue pour gravir les échelons, et on dirait qu'il se débrouille pas trop mal. C'est toujours risqué de se faire promouvoir comme ça. Mais c'est rapide si tu poses tout. Je devrais peut-être essayer. Toi, tu rigoles. Les autres t'arracheraient. Une lame de Morgul, comme le précédent. Cette attaque est plus récente que l'autre. Nous nous rapprochons. Galoum doit savoir où est la prochaine cible. Artefacts gondoriens. Vous trouvez des artefacts provenant de la grande salle de Minas Sithil éparpillés dans tout le Mordor. Trouvez-les tous pour déverrouiller l'armation aptitude prospecteur. Je pense que ce plat est de facture orientale. De tous ceux qui l'ont vu, personne n'a pu reconnaître la céramique ou le style de décoration utilisé. Je sais que les orientaux venus d'au-delà de la mer de Rune n'ont jamais été des alliés du Gondor. Et leurs chars et chariots de guerre sont certes effrayants, mais j'aimerais bien en rencontrer un hors temps de guerre. Quelle que soit leur férocité, ils n'en sont pas moins des hommes, et non des Uruks ou autres sbires du Seigneur des Ténèbres. Les orientaux, plus étranges encore que les Aradrim du Sud. Mais tout aussi vulnérables aux suffites de sang. J'ai trouvé un autre Uruk. Son cadavre est encore chaud. Nous sommes tout prêts. On va tomber. Le prochain. Ces stupides orques ne voient pas tout. Ils ne voient pas parce que tu les intéresses pas, c'est tout. T'as rien bouffé sur toi. C'est pas ce que je voulais faire. Oula. Caméra, caméra, allô. Thank you.
Bah. Mais non, étourdis-le. Oh là là. Quelqu'un va mourir pour ça. Il a dû revenir sur ses pas. Où est-ce qu'il est ? Connaître les faiblesses et les forces d'un ennemi peut vous fournir des informations essentielles pour affronter et le vaincre. Appuyez sur R3 pour les tribus de l'assassin. Peur des mouches de Morgaï. L'assassin a peur des mouches de Morgaï. Exploitez cette peur pour annuler temporairement toute immunité dont il pourrait bénéficier. Utilisez ces informations à votre avantage. Nosco l'assassin. Assassin toxique. Oula. Alors, est-ce qu'il y a des mouches à proximité ? Bien sûr. Boum ! Alors, on se passe de lui. Ah ! Mince. Si tu penses pouvoir m'arrêter,
On peut pas le choper par... Vas-y. Non, il veut pas. Allez, vas-y. Ah non, il veut pas. Aptitude déverrouillée, menace de mort. Au lieu d'obtenir des renseignements sur un capitaine, vous pouvez ordonner à un ver de lui remettre une menace de mort. Une mission d'ennemi juré unique est alors créée dans la région. Quand un capitaine reçoit une menace de mort, son niveau augmente. Le combat sera donc plus difficile, mais si vous gagnez de l'équipement de qualité, mais vous gagnerez de l'équipement de qualité si vous réussissez. Nous avons passé les lignes ennemies. C'est le moment idéal pour semer le chaos dans les rangs de Sauron. L'assassin avait encore une cible. Nous devrions finir ce que nous avons commencé et tuer le dernier garde du corps du chef de guerre. Nouveaux ennemis et gules. Prisonnellement, les gules sont faibles, mais ils sont redoutables en horde. Certains gules aspergent leurs ennemis de poison. Les matriages gules. Si les gules parviennent à regagner leur nid, ils proviendront en compagnie d'une terrible matriage gule. Les matriages gules sont plus fortes et plus résistantes que les gules ordinaires et affaiblissent leurs ennemis grâce à leur poison. Ah là. Cassez-vous! Là, il y a un ennemi. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait une vidéo de 2 heures. Je la couperai en deux. Alors, comment on sauvegarde? Ah, déjà, il y a quelque chose dans l'inventaire. Une nouvelle capuche. Bon, elle apporte rien et en plus, elle est plus moche. Bon voilà. Allez, salut.